Bonjour, on va traiter un exercice sur le circuit numérique. L'exercice est le suivant. Soit phi du n, n supérieur égal à 0, la suite définie par phi de 0 est égal à 0, et phi de 1 est égal à 1, et phi de n plus 2 est égal à phi de n plus 1 plus phi de n, quel que soit n appartenant à n. Montrons par référence que, quel que soit n appartenant à phi de n, quel que soit n appartenant à n, phi de n est égal à racine du 5 sur 5, facteur de 1 plus racine du 5 sur 2 puissance n, moins 1 moins racine du 5 sur 2 puissance n. Bon, soit phi de n la proposition phi de n est égal à racine du 5 sur 5, facteur de 1 plus racine du 5 sur 2 puissance n, moins 1 moins racine du 5 sur 2 puissance n. Bon, on a 0 est égal à racine du 5 sur 5 multiplié par 0 est égal à racine du 5 sur 5 facteur 0, c'est 1 moins 1 qui est égal à racine du 5 sur 5. Comme 1 plus racine du 5 sur les différentes mesures, donc on va écrire 1 plus racine du 5 sur 2 puissance 0, cette quantité est égale à 1, moins 1 moins racine du 5 sur 2 puissance 0, et ceci est égal à 1. Donc 1 moins z est égal à 0. Bon. Et comme phi de 0 est égal à 0, alors phi de 0, phi de 0 est égal à racine de 5 sur 5, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 puissance 0 moins 1 moins racine de 5 sur 2 puissance 0. Donc, phi de 0 est vrai. Bon, on a aussi phi de 1 avant. Phi de 1 est égal à 1. 1 est égal à racine de 5 sur 5. Multiplié par. Bon. Multiplié par racine du 5 qui est égal à racine du 5 sur 5 multiplié par racine du 5 que j'écris sous la forme 1 demi plus racine du 5 sur 2 moins 1 demi plus racine du 5 sur 2. Bon, 1 demi moins 1 demi, c'est 0, racine du 5 sur 2 plus racine du 5 sur 2, c'est 2 fois racine du 5 sur 2, multiplié par, bon, 2 fois racine du 5 sur 2, c'est racine du 5, multiplié par racine du 5, c'est racine du 5 au carré sur 5, est égal à 1. Donc, il est égal à racine du 5, facteur de 1 plus racine du 5 sur 2, moins 1 demi, pardon, moins racine du 5 sur 2. Comment on peut écrire racine du 5 sur 5, facteur 1 plus racine du 5 sur 2 puissance 1, moins 1 moins racine du 5 sur 2 puissance 1. Donc, plus de 1 est égal à racine du 5 sur 5, facteur de 1 plus racine du 5 sur 2 puissance 1, moins 1 racine du 5 sur 2 puissance 1. Donc,
Phi. Donc, pardon, Pi. Donc, Phi de 1 est vrai. Maintenant, on va supposer que pi de n et pi de n plus 1 sont vrais pour un certain n de n. Et on trouve avec le moins, donc on aura plus
en enlacant le centre sur le puissance, L. Donc j'ai égal, pardon, à racine de 5 sur 5, facteur, et si on va factoriser par la racine de 5, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 plus 1, moins racine du 5 sur 2 puissance n, facteur de 1 moins racine du 5 sur 2 plus 1. Bon. Donc est égal racine du 5 sur 5, facteur de 1 plus racine du 5 de puissance n, facteur, et si on va régler le numérateur, donc 1 plus racine de 5 plus 2 sur 2 moins, pardon, 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n, facteur, de 1 moins racine de 5 plus 2 sur 2. Pardon. Donc, il est égal, racine de 5 sur 5, facteur, de 1 plus racine de 5 sur 2, puissance n, facteur. Donc, 1 plus 2, c'est, bon, 6, 6, bon, 1 plus 2. Donc, c'est 3 plus racine de 5 sur 2. Moins 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n, facteur de 3 moins racine de 5 sur 2 puissance, oui, donc qui est égal à racine de 5 sur 5, facteur de 1 plus racine de 5, pardon, sur 2 puissance n. Et si on va multiplier en haut par 2, multiplier en bas par 2, donc on aura le facteur de 3 plus racine de 5 sur 2 multiplié par 2, moins 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n, facteur du facteur de 3 moins racine de 5 sur 2 multiplié par 2. Voilà. Donc, il est égal racine de 5 sur 5, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2, puissance n, facteur ici 6, plus racine de 5 sur 2 au carré, moins 1 moins racine de 5 sur 2, puissance n, facteur de 6 moins racine de 5 sur 2 au carré. Donc, est égal racine de 5 sur 5, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n, facteur, bon 6, c'est 1 plus 5, donc on va écrire, bon j'ai oublié ici de multiplier par 2, pardon, on va essayer en deux volants pour le droit, pour le reste c'est 1, 2, même chose ici, pardon. Et je vais prendre 2 ici, pardon. Moins 2 racine de 5. Même chose ici. Bon, 6, pardon. Plus 6 plus 2 racine de 5. Bon, qui est égal? Ici, si on pourrait écrire sur la forme de 1 plus 5,
racine de 5 sur 2, puissance, n facteur de 1 moins 2 racine de 5, même chose, 6, 6, 5, plus 1, plus 5 sur 2 au carré, qui est égal, pardon, à racine de 5 sur 5, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2, puissance n, ici, 1, c'est 1 au carré, plus de racine de 5, voilà, 2, oui, 2 multiplié par 1, plus racine de 5, plus 2 multiplié par 1, multiplié par racine de 5, plus racine de 5 au carré, plus sur 2 au carré, moins 1 par racine de 5 sur 2, au sens n facteur, de 1 moins 1 au carré, 2 multiplié par 1 racine de 5, plus racine de 5, pardon, ici. On a pas d'espace pour écrire. Bon, il est égal. Racine de 5 sur 5, plus 1 plus racine de 5 sur 2, puissance n facteur de 1 au carré, plus 2 multiplié par 1 racine de 5, multiplié par racine de 5 au carré sur 2, moins 1 moins racine de 5 sur 2, puissance n, facteur de 1 au carré, moins 2 multiplié par 1 multiplié par racine de 5, plus racine de 5 au carré, sur 2 au carré. Bon, 1 au carré plus 2 multiplié par 1 racine de 5 plus racine de 5 au carré n'ont rien d'autre que l'identité, pardon, l'identité remarquable A au carré plus 2AB plus B carré. Donc il y a 1 plus racine de 5 sur 2, puissance n, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2, le tout puissance n. Et si nous avons 1 plus racine de 5 au carré sur 2 au carré, A puissance n sur B puissance n, c'est A sur B puissance n. Facteur de 1 moins racine de 5 sur 2, même chose ici, 1 moins racine de 5 sur 2 de puissance 2, voilà. Bon, ici, 1 racine de 5 sur 5. Bon, ici, 1 plus racine de 5 puissance n, multiplié par 1 plus racine de 5 au carré. Mais bon, nous avons le produit de puissance de même base. Donc, si une puissance de mémoire est exposée à la somme des exposants, pardon, voilà, ceci n'est rien d'autre que phi de n plus 2. Bon, phi de n plus 1 plus phi de n est égal à cette quantité, et comme phi de n plus 2 est égal à phi de n plus 1 plus phi de n, alors, pardon, bon, alors phi de n, pardon, donc phi de n plus 1 est égal à phi de n plus 1 plus phi de n, et on entre que phi de n plus 1 plus phi de n est égal à racine de 5 sur 5, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus 2, moins 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n plus 2, donc phi de n plus 2 est égal à racine de 5 sur 5, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus 2, moins 1 moins racine de 5 sur 2 puissance
N plus 1. Donc, ceci n'a d'autre que U de N plus 2. Donc, U de N plus 2 est vrai. Alors, par le raisonnement, par récurrence, U de N, pardon, U de N est vrai. Moins 1 moins racine de 5
sur deux puissance 1, multiplié par 1 plus 1 sin 5 sur deux puissance n plus 2 moins. Avec le moins c'est plus. 1 moins racine de 5 sur deux puissance 1 multiplié par 1 moins racine de 5 sur deux puissance n plus 2. Bon. Est égal 1 sur 5 plus 1 racine de 5 sur 2 puissance n plus 1 de 2 puissance n plus 2, donc c'est n facteur de n plus 1 moins ici 1 sur 5 facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus 2, c'est 2n facteur, bon, c'est le facteur de n plus 2. Et c'est 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus 1, c'est n, bon, c'est 1 plus racine de 5 puissance n plus 2, donc c'est 2n plus 2, donc c'est le facteur de n plus 1. Bon, plus, ici, 1, racine de 5 sur 2 puissance 2n plus 1, car c'est la puissance des puissances, moins 1 sur 5, ici, facteur, 1 moins racine de 5 sur 2 puissance 2n plus 1. Donc il nous reste. Il nous reste ce terme, pardon, 1 sur 5 facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n multiplié par 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n plus 2. Et ce terme, bon, nous avons du terme ici, pardon. Il y a 1 ici, donc c'est plus 1 sur 5, et c'est 1 plus 1 moins racine de 5 sur la puissance 1, multiplié par 1 plus racine de 5 sur la puissance n plus 2. Plus ou moins. Moins 2 sur 5 facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 facteur de 1 moins racine de 5 sur 2 plutôt puissance n plus 1. Donc il y a simplification. On va simplifier dans ce terme. Il nous reste, pardon, 1 sur 5 facteur de 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n, facteur. Et si il nous reste 1 plus racine de 5 sur 2 au carré moins 2 facteurs de 1 plus racine de 5 sur 2 facteurs de 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n plus 1.
Oui. Donc, est égal. Bon, 1 moins racine de 5 sur 2, puissance n facteur de 1 moins plus racine de 5 sur 2, puissance n, si 1 sur 5, facteur de 1 moins racine de 5 sur 2, multiplié par 1 plus racine de 5 sur 2, le tout, pardon, puissance n, facteur 1 plus racine de 5 sur 2, donc c'est 1 au carré, plus racine de 5, plus racine de 5 au carré, sur 4, plus 1 au carré moins 2, racine de 5, plus racine de 5, plus racine de 5 au carré, sur 4, moins 2 sur 5, facteur. Bon, 1 plus racine de 5 sur 2, facteur de 1 moins racine de 5 sur 2, donc c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Oui. Puissance F1 qui est égal. Bon. Ici, 1 moins racine de 5, facteur de 1 plus racine de 5, c'est 1, facteur de 1, moins racine de 5, facteur de 1 plus racine de 5, sur 2, multiplié par 2, puissance n, ici, moins de racine de 5, moins de racine de 5, bon, de racine de 5, moins de racine de 5, c'est 0, 1 plus 1, c'est 2, 5 plus 5, c'est 10, plus 2, c'est 12. Donc, c'est 12 sur 4, moins 2 sur 5, facteur 1, plus racine de 5, facteur de 1 moins racine de 5, c'est 1 au carré, moins racine de 5 au carré, plus de puissance n plus 1. Donc, est égal à 1 sur 5. 2 sur 3, c'est 4. 2 sur 4, c'est 3. Facteur. Ici, c'est moins 1, moins, pardon. 1 moins 5 sur 4, puissance n, moins 2 sur 5, facteur de 1 moins 5 sur 4, puissance n plus 1. Et il y a 3 sur 5, pardon. 1 moins 4, 1 moins 5, c'est moins 4, donc moins 4, c'est moins 4, puissance n, moins 2 sur 5, 1 moins 4, c'est moins 4, 1 moins 5, 6, moins 4, puissance n plus 1. Donc, il y a 3 sur 5, moins 1, puissance n, moins 4 sur 4, c'est 6 moins 1, oui, c'est moins 1. Ici, moins 2 sur 5, 5, facteur de moins 1, puissance, et plus 1, donc il est égal à 3 sur 5 moins 1 puissance n. Bon, moins 1 puissance n plus 1, c'est moins 1 puissance n, multiplié par moins 1, avec ce moins c'est plus. 2 racines plus 1, puissance moins 1 puissance n, qui est égal à 3 sur 5 plus 2 sur 5, facteur de moins 1 puissance n, qui est égal à 5 sur 5. Bon, 3 sur 5, pardon. 3 sur 5 plus 2 sur 5, c'est 5 sur 5. Je vais prendre la puissance n, puis il y a la moins 1, puissance n. Donc, voilà. Phi de n plus 1 au carré, moins phi de n, multiplié par phi de n plus 2, c'est égal. 1 moins 1 puissance n, quel que soit n appartenant
numérique, phi du n plus 1 sur phi du m, converge et trouve sa limite. Bon. La question 3. Établissons que phi du n plus 1 sur phi du m, c'est de suite, et convergence. Calculant sa limite. Bon, on a que ce soit n supérieur à 1, que du n plus 1 supérieur à 1, il est égal. Bon. Racine de 5 sur 5, facteur de 1 plus racine de 5 sur le puissance n moins 1 moins racine de 5 sur le puissance. Bon, n plus 1 par ici. Sur racine de 5 sur 5, facteur de 1 plus racine de 5 sur le puissance n moins 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n. On simplifie par racine de 5 sur 5. Et on va diviser le numérateur et le dénominateur par 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n. Donc on aura est égal. Pardon. 1 plus racine de 5 sur le puissance n plus 1 moins 1 moins racine de 5 sur le puissance n plus 1 sur 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n. Bon, nous n'avons ici pas, d'espace. Bon, on va multiplier par moins 1 puissance par an. Donc, c'est égal. On va multiplier par 1 plus racine du 5 sur 2 puissance moins n sur 1 plus racine du 5 sur 2 puissance n moins 1 moins racine du 5 sur 2 puissance n multiplié par 1 plus racine du 5 sur 2 puissance moins n. Donc, il est égal. Donc il est égal à 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus 1 sur 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n moins 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n plus 1 sur, pardon, n plus 1 sur 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n sur, pardon, donc 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n sur 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n moins 1 moins
5 sur 2, puissance n sur 1 plus racine de 5 sur puissance n. Il est égal. Bon, ici, il nous reste 1 plus racine de 5 sur 2. Oui, quand on va simplifier par là. Ici, on aura moins 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5 puissance L multiplié par 1 moins racine de 5 sur 2. De plus sûr, 1 moins 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5 puissance L. Et comme 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5, il est compris entre moins 1 et 1. En effet, moins 1 est inférieur. Moins 1 moins racine de 5 est inférieur à 1 moins racine de 5 est inférieur à 1 plus racine de 5. Bon, moins 1 est inférieur à 1. Donc moins 1 moins racine de 5 est inférieur à 1 moins racine de 5. Ceci d'une part. D'autre part, 1, oui, moins racine de 5 est inférieur à racine de 5, car moins racine de 5 est négatif et racine de 5 est positif. On ajoute 1, on obtient cette égalité. Bon, on divise ici par 1 plus racine de 5, donc c'est moins 1 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 5. 1 plus racine de 5 est un nombre positif. Voilà, c'est-à-dire moins 1 inférieur à 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5 qui est inférieur à 1. Donc, puisque 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5 est compris entre moins 1 et 1, donc limite de 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5, le sens 1, c'est limite forcément de 5 infini, et voici 0. Donc, limite du phi de 1 plus 1 sur phi de 1, quand elle tombe de plus infini, est égal à la limite de 1 plus racine de 5 sur 2 moins 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5, puissance n multiplié par 1 moins racine de 5 sur 2 sur 1 moins 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5 puissance n lorsque n tend vers plus infini. Bon, qui est égal. Maintenant, nous avons le rapport, limite d'un rapport, avec le dynamique différent des autres. Donc, on peut séparer les limites. Donc, on aura 1 plus racine de 5 sur 2 moins 2, limite de 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5, j'ai un temps de plus infini, sur 1 moins limite de 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5, donc j'ai un temps de plus infini.
Bon, si tu vois que tu égales à 0, on va faire que tu égales à 0, donc on aura 1 plus racine de 5 sur 2, moins 1 moins racine de 5 sur 2, multiplié par 0 sur 1 moins 0 est égal. Ici 0, ici 1, donc 1 plus racine de 5 sur 1, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, limite du fil de f plus 1 sur fil de m, lorsque je prends le plus 1 demi, je vais avoir 1 plus racine de 5 sur 2. Bon, ici on a montré deux choses. On a montré la convergence, en même temps on a trouvé la limite. Bon, on passe à notre question. Moins
L'astrome, du tapis de gaz, jusqu'à N sigma M, 1 moins racine du 5 sur 2 puissance K. Bon. Qui est égal? Racine du 5 sur 5, facteur de l'ensemble de K est égal à 0 jusqu'à N, 6K. N, 1 plus racine du 5 sur 2 puissance K, multiplié par 1 puissance N moins K. 1 puissance N moins K, c'est 1. Multiplié par cette quantité, donc c'est cette quantité. Voilà. Moi, la somme du K qui est à 0, 6K, F, en moins K sur, pardon, racine du 5, puissance K, multiplié par 1 moins N moins K. On va les multiplier encore par 1 moins, pardon, N puissance 1 moins N moins K. Bon. Et comme, d'après la formule du bilan, N puissance N est égal à la somme, du K est égal à 0 jusqu'à N, si K N, A puissance K, de puissance N moins 1. Pardon.
Bon, on va terminer. Sinon, il me reste dans l'équidale. Racine de 5 sur 5. Bon. 6 plus racine de 5, donc 6. C'est 1 plus 5. Sur 4 en puissance n. Moins la même chose ici, c'est 6. Moins 2. 6. C'est 1 plus 5. Donc, petit balance qui est 5 sur 5. Facteur ici 1 au carré plus 2 multiplié par 1 plus racine de 5. 5, c'est racine de 5 au carré sur 2 au carré. Puissance n moins 1 au carré. Sur, bon, ici sur le carré. C'est 2 multiplié par 2 au carré. Donc, il est égal à racine de 5 sur 5. C'est 3 titulaires, donc 1 plus racine de 5 sur 2, 2 au carré, de toute puissance. N moins 1 moins racine de 5 sur 2 au carré, de toute puissance. Donc, il est égal à racine de 5 sur 5. Ici, nous avons la puissance d'une puissance. C'est une puissance qui nous base l'exposant de fonction de l'exposant. Bon, plus Z ici. Cette quantité n'est rien d'autre que fait du Z. D'où la somme, pardon. À 0 jusqu'à n, si la n fait du k, qui va plus de n. Bon, pour l'autre somme, plus
plus 1k moins la somme du cas qui va à 0 jusqu'à n, ck n moins 1 moins la somme de 5 sur le cosinus k. Intégrale racine de 5 sur 5, facteur de la somme du cas intégral à 0 jusqu'à n, ckn, moins 1 plus racine de 5 sur 2 puissance k, multiplié par 1 puissance n moins k, moins la somme du cas intégral à 0 jusqu'à n, ckn, bon, moins 1 moins racine de 5 sur 2 puissance k, multiplié par 1 puissance n moins k. Bon, et après la formule de binôme, on aura racine de 5 sur 5. Cette quantité n'est rien d'autre que moins 1 plus racine de 5 sur 2 plus 1 puissance n. Moins l'autre, c'est moins 1 moins racine de 5 sur 2, pardon, plus 1 puissance n. Et il y a racine de 5 sur 5, facteur. Bon, ici on va réduire le dénominateur. Merci pour votre attention. À la prochaine.